Salut tout le monde. Bon, j'ai fait un petit test. Donc je vais vous montrer comment on fait le glitch des duplications de véhicules comme ça là. Allez, c'est parti. Donc en premier, vous allez faire demande d'activité à Simeon ou Martin ou Gérald. Bon, c'est ici. Hop, c'est tout en bas. Bon, moi j'ai déjà fait demande d'activité. Ensuite, vous allez dans l'activité. Vous quittez. Dès que vous revenez, vous montez vite dans votre véhicule et vous accélérez. Non, ça marche pas partout. Donc j'ai une petite technique, vous mettez dans un carrefour, genre là, je fais l'activité. Marche à chaque fois. Il faut que vous soyez au moins 24-25 minimum de session pour que ça marche. Bon, là, ça c'est là, on est en train de faire le test. Vous voyez, là je suis arrêté. Hop, ça me sort du véhicule. J'en ai un autre là-bas. Donc, ça veut dire que la session est bonne pour faire le glitch. D'accord? Vous mettez en passif, c'est toujours mieux parce qu'avec une session pleine de joueurs, ils vont venir vous exploser vos bagnoles. Donc, une fois que vous avez vérifié la session qui est bonne. Ça veut dire que vous pouvez commencer le glitch. Là, vous péterez la portière. Bon, moi je vais à mon garage, vous pouvez faire à votre garage n'importe où. Donc on doit péter la portière. Allez dans son garage. Et il faut que quand vous sortiez du garage, de la voiture, vous rentriez directement dans votre garage. Donc là, comme ça, hop. Quand vous ressortirez du garage, il faut que la portière soit réparée. Si jamais la portière n'est pas réparée, vous faites comme ça, hop, vous ressortez ou vous reculez. Il n'y a pas besoin de bouger de beaucoup, c'est au millimètre. Donc l'étape 2 est faite, la portière est réparée. Maintenant, je vais customiser à fond mon véhicule. Je ne mets pas de balise, pas d'assurance. Pas de balise, pas d'assurance et pas d'explosif. Là, je vais vous customiser à fond. What brings you in today? Réparer. Bon, allez, là, on change de la peinture, manière. Peinture classique, blanche. Allez. On ressort. Voilà, vous avez customisé à fond. Pas de balise, pas d'explosif. C'est ma duplication de tout à l'heure. Ok. Donc pas de joueurs qui viennent vous embêter à côté. Ça pourrait vous emmerder pour faire le glitch. Ceux qui n'ont pas l'activité Simeon, qui elles sont bloquées, petit level, vous pouvez vous faire inviter par par un collègue à vous. Pour effectuer, bon, lui peut faire le test de la session à votre place. Et vous, comme vous allez avoir là besoin. Vous voyez là, je recule un peu, vous mettez comme ça. Vous allez avoir besoin d'accepter une invitation ou par votre collègue ou si vous la demandez. Donc là, hop. Donc là, je vais accélérer un petit peu et j'accepte l'invitation.
la porte s'est un peu ouverte. C'est nickel. Là, je quitte, je remonte vite dans mon véhicule et j'accélère dans le custom. Okay. Je répare, je change la peinture. Je remets le noir. Je ressors. Et en sortant, je bouge pas. J'attends un petit peu que tout apparaisse. 1, 2, 3, 4, 5. C'est good. Donc vous voyez, j'ai ma duplication ici. Bon, c'est celle-là qui compte. Ça, c'est tout à l'heure. J'ai la duplication ici. Donc, je sors de la voiture. Vous pouvez avoir votre pote qui vous aide. Il reste dans la voiture pour éviter qu'elle disparaisse. Des fois, la voiture disparaît. Donc, lui, il se mettra dans votre véhicule noir. Et vous, vous prendrez le blanc. Vous irez mettre balise. Vous irez mettre une balise et l'assurance si vous voulez. Voilà. Donc là, elles partiront direct dans votre garage. Ensuite, vous ressortez. Hop, votre collègue y part ou sans collègue, vous remontez dans celui-là. Et vous refaites kiff kiff. Donc ce qui est bien pour refaire, c'est de casser. De casser un peu le véhicule. Ça vous aidera à réussir à chaque fois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.